Wesh, on se retrouve aujourd'hui pour le 10e épisode de la bibliothèque. Alors au moment où il est mis en ligne, vous êtes sûrement, pour la plupart d'entre vous en tout cas, en train de jouer à Super Mario Odyssey sur Switch. Et du coup, on s'est dit que c'était l'occasion de parler du créateur du plombier moustachu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de Shigeru Miyamoto. Alors ce cher Shigeru Miyamoto, il est né le 16 novembre 1952. Il est né à Sonobe, c'est une toute petite ville... un peu rural, qui est dans la préfecture de Kyoto. Il a eu une enfance super éveillée, le petit Shigeru, parce que comme il n'y avait pas grand chose à faire et qu'il y avait beaucoup de nature autour de lui, il s'est baladé, il a exploré, il a pêché, il a construit des choses avec son grand-père qui était très bricoleur. Mais toutes ces petites escapades vont être bouleversées par l'arrivée chez lui de la télévision. À partir de là, le petit Shigeru va devenir un espèce de petit otaku, il va passer sa vie devant la télé. Il y découvrira les dessins animés Disney ou Popeye ou Tom et Jerry, et il va tomber complètement amoureux de cet humour américain. Dans la foulée, et comme il passe sa vie devant la télé, il en voit l'évolution et il découvre les animés et les mangas et il en devient complètement fou, au point de vouloir devenir mangaka plus tard. Ça va devenir une obsession au point qu'au collège, il sera... leader d'un club de dessin. Il sera complètement accro à Osamu Tezuka, le créateur d'Astro Boy, mais petit à petit, il va laisser tomber cette idée, se considérant pas assez bon dessinateur. Et c'est durant ses années lycées qu'il va décider de lier son amour pour le dessin avec son amour pour le bricolage qu'il a beaucoup pratiqué avec son grand-père quand il était gamin. Et c'est comme ça que va lui venir l'idée de travailler dans le design industriel. Plus précisément, comme il considère n'avoir jamais vraiment grandi et que ses années d'enfance lui sont particulièrement chères, il va vouloir produire des jouets pour les plus jeunes. Lui qui était assez anticonformiste et qui n'était pas particulièrement fan de travail, il va pourtant se donner à corps perdu dans ses études dans le design industriel. En avril 1977, alors qu'il a 24 ans, il décrochera un entretien chez Nintendo. Alors on va pas se mentir, cet entretien il l'a eu grâce à son père, qui connaissait quelqu'un chez Nintendo, et du coup c'est comme ça que Miyamoto a décroché l'entretien. Bon, il va quand même le réussir, au point que son deuxième entretien sera avec Hiroshi Yamauchi, le célèbre président de Nintendo. C'est pas parce qu'on fait une bibliothèque sur le créateur de Mario qu'il faut que tu fasses ta forte tête, hein. Après cet entretien, Yamauchi va l'embaucher et il lui dira que s'il l'embauche, c'est bien parce qu'il croit en lui et pas parce qu'il lui a été juste conseillé par des connaissances. À son arrivée chez Nintendo, il bossera dans une toute petite unité, puisqu'ils seront uniquement deux, avec un certain Makoto Kano, qui est connu pour avoir créé le personnage de Monsieur Game & Watch quelques années plus tard. C'est une unité assez autonome, hein. Ils bosseront, là on leur dira de bosser, ils feront des cartes de jeu de temps en temps, des jeux de plateau. D'ailleurs, le premier projet de Miyamoto au sein de chez Nintendo, c'est un jeu de plateau dans l'univers de Disney. Et c'est par le biais de ces petites affectations que lui filent les différentes équipes de Nintendo qu'il sera amené à bosser sur les premières consoles de Nintendo, entre guillemets, ces fameuses consoles qu'on branchait directement à la télé avec des jeux préintégrés. Et il bossera sur le design extérieur, du coup, de machines comme la Color TV Game, la Racing 112 ou la Block Kuzushi. Un an après, en 1978, Masayuki Uemura, qui était le boss du hardware chez Nintendo à l'époque, va lui proposer de dessiner les aliens dans un espèce d'ersatz de Space Invader qui s'appellera Space Fever. Cette mission pour Miyamoto, elle tombe à pic parce que forcément, à force d'avoir le nez dans le jeu vidéo, il s'y est intéressé un minimum et il a chopé le virus avec Space Invader, justement le jeu de Taito. Il est important de rappeler qu'à cette époque, Miyamoto, qui était là pour façonner des objets, il a zéro, mais zéro notion de programmation. Du coup, bah, les sprites des aliens qu'il va dessiner, il va les dessiner sur des feuilles quadrillées. Et ces feuilles quadrillées, elles vont occuper une grande place dans sa carrière, il va s'en servir pendant pas mal d'années, surtout sur la période 2D. Et c'est ainsi qu'il deviendra graphic designer à part entière, donc par graphic designer, j'entends qu'il s'occupera, dans les jeux sur lesquels il bossera, des sprites, mais il s'occupera aussi des posters de publicité, voire du design de la borne de temps en temps. Le projet le plus notable de cette période, alors qu'il a 29 ans, en 79, c'est Sheriff. Sheriff. Et Sheriff, il a ceci d'extraordinaire dans l'histoire de Nintendo, qu'il a été dessiné par le papa de Mario, donc Shigeru Miyamoto, et le papa de Monsieur Game & Watch, qui est Makoto Kano. Parce que oui, en participant à l'élaboration de la Game & Watch avec Monsieur Gunpei Yokoi, la carrière de Makoto Kano va s'envoler. Miyamoto, de son côté, qui passera un petit moment à errer à nouveau entre les différents projets, il sera finalement lui aussi appelé par Gunpei Yokoi pour bosser sur un jeu Popeye. Alors, Miyamoto, qui était extrêmement fan de Popeye étant gamin, pour lui, c'est le rêve, quoi. Faut savoir que le jeu était à la base prévu sur Game & Watch, mais du fait d'un gros problème d'invendu, Yamauchi et Yokoi ont décidé de sortir le jeu sur arcade, et Miyamoto va commencer à bosser sur Popeye version arcade. Ce jeu a ceci d'important que c'est le premier jeu sur lequel Miyamoto ne sera plus seulement graphic designer. Il s'occupera pas uniquement de la partie visuelle, il s'occupera aussi du
game design, donc des mécaniques de jeu. C'est donc, on peut le dire, le premier vrai jeu officiel de Shigeru Miyamoto. Il a alors la ferme intention de faire une reproduction fidèle des souvenirs qu'il a d'un de ses dessins animés préférés, mais il va vite se prendre des stops de l'équipe de programmation parce que c'était juste techniquement infaisable. Et puis l'autre coup dur, ça va être que les ayants droit de Popeye vont pousser un coup de gueule auprès de chez Nintendo en disant que eux ils avaient signé pour un jeu Game & Watch, je sais pas, pour un jeu arcade, et qu'il était hors de question que Popeye sorte sur arcade. Le projet de Miyamoto n'est pas tombé à l'eau pour autant, il s'est transformé, et au lieu d'avoir Popeye, Olive et Brutus, les personnages sont devenus Jumpman, Pauline et Donkey Kong. Donkey Kong, sorti en arcade en 1981, à l'époque, ce vilain singe était un méchant, et ce qui deviendra par la suite Mario, puisque Jumpman s'est ensuite appelé Mario, était le héros. Le jeu va être un succès tonitruant, c'est un des plus gros succès de Nintendo à l'époque, et ce petit personnage bleu et rouge va devenir une icône. Miyamoto va encore gagner du galon, et il s'occupera de la suite de Donkey Kong, Donkey Kong Junior, qui sortira l'année d'après en 1982. En 1983, Yokoi va proposer à Miyamoto de mettre à nouveau Mario au devant de la scène dans Mario Bros, sorti sur arcade, Mario Bros pour Mario Brothers. Il va lui expliquer que dans le jeu vidéo, ce qui est intéressant de faire, c'est de prendre des mécaniques de gameplay et ensuite de poser un scénario sur ces mécaniques. Miyamoto va vraiment bien assimiler ce conseil puisqu'il va l'appliquer pendant tout le reste de sa vie. Toujours en 1983, la Famicom, qui est connue chez nous sous le nom de Nintendo Entertainment System ou NES, va sortir au Japon. Les deux premiers jeux de la console seront Donkey Kong et Donkey Kong Junior, donc des jeux faits par Miyamoto, quel honneur. Il va pas bosser sur ses portages. Par contre, Yamauchi va l'appeler dans son bureau et va lui dire « Écoute Miyamoto, t'es un mec super cool, tu fais du bon travail. » Tu vas diriger une unité de développement au sein de chez Nintendo et votre mission à vous, ce sera d'étoffer le catalogue de la NES parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de jeux. Le premier jeu sera Devil World, un espèce de Pac-Man avec un dragon, donc il est dans un labyrinthe, il doit récupérer des petits points. Et la spécificité, c'est qu'en fait, t'as le diable qui peut faire bouger le labyrinthe à tes dépens. Donc des fois, tu te retrouves coincé parce que le diable, il a bougé le labyrinthe. J'ai trouvé le système un petit peu tordu, ça m'a un petit peu ennuyé. L'autre, ça a été un succès dans le monde entier, c'est Excitebike. Et vous allez me dire que Miyamoto face à un jeu de moto, c'était un peu prédestiné. Excitebike, c'est un jeu de motocross où les personnages doivent passer sur des buts, etc. Et tu dois gérer la vitesse de ton perso avec l'inclinaison de ta moto pour faire les meilleurs temps possibles. Il faut savoir que sur ces deux titres, Miyamoto a travaillé avec un monsieur qui s'appelle Takashi Tezuka. Donc ils ont travaillé vraiment ensemble. C'était son assistant, en quelque sorte, Tezuka. C'est quelqu'un de très important chez Nintendo. Il a toujours été un petit peu dans l'ombre de Shigeru Miyamoto. Et c'est finalement en 1985, alors que Miyamoto a 33 ans, qu'il va vraiment connaître le plus gros succès de sa vie, sûrement, avec la sortie de Super Mario Bros. Le jeu, il a subi de nombreux bouleversements dans son développement, puisque Miyamoto, il avait sans cesse de nouvelles idées. D'ailleurs, le jeu était bien avancé au moment où Miyamoto a décidé que le perso pouvait devenir petit, était petit, il pouvait devenir plus grand. Ça a complètement bouleversé le level design, du coup, et les équipes ont dû changer ça dans la hâte. C'est une sale habitude qu'a Miyamoto de renverser totalement le développement parce qu'il a une nouvelle idée. Chez Nintendo, ils ont d'ailleurs une expression pour ça, ça s'appelle « to upend the tea table », qu'on peut traduire par « renverser la table basse ». En gros, Miyamoto arrive et fout le bordel, et tout le monde doit s'y faire parce que c'est lui le patron. Dans la foulée, Miyamoto et son équipe étaient sur un deuxième jeu, et ce jeu, c'est... Zelda est aussi complètement dingue dans son architecture. Bon là, faut savoir qu'il y avait quand même pas mal de jeux qui reprenaient un petit peu ce concept de map avec des trucs à chercher, un personnage qui évoluait, etc. Le RPG était quand même déjà bien implémenté. Mais justement, Miyamoto, il voulait prendre la chose à contre-pied. Il considérait que dans le RPG, t'avais un personnage auquel on enlevait des trucs, on lui redonnait petit à petit. Et avec Zelda, il voulait faire l'inverse. Un personnage qui était quasiment au max de sa puissance dès le début et qui pouvait avoir un arsenal plus développé pour... accéder à des nouvelles zones, etc., etc. Et pour accéder à ces nouveaux pouvoirs, à ces nouvelles armes, le joueur devait chercher. Le jeu va encore une fois être une très 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 grosse réussite, hein. Quand tu penses NES, tu penses Mario et tu penses Zelda. Et forcément, les gens vont commencer à vouloir connaître l'identité du mec qui est derrière Mario d'un côté et Legend of Zelda de l'autre. On passe au gros foutoir qui est Super Mario Bros 2. Alors, on va essayer d'expliquer ça à peu près correctement. Super Mario Bros 2 au Japon, c'est un espèce d'add-on de Super Mario Bros 1. En fait, c'est le jeu a exactement les mêmes mécaniques, les mêmes graphismes. C'est juste des niveaux plus difficiles et c'était dirigé par Takashi Tezuka.
Miyamoto était pour la première fois producteur sur le jeu, c'est un poste qui va beaucoup occuper par la suite, on va voir ça plus tard. Pour ce qui est du Super Mario Bros. 2 de chez nous, donc à la base ça devait être un jeu inédit avec Mario, qui était produit aussi par Miyamoto, seulement la Fuji TV a fait une commande auprès de Nintendo pour avoir un jeu qui reprenait l'univers d'une exposition qui était en cours au Japon, la Yume Kojo 87, et de ce fait l'équipe de développement a juste modifié les sprites, a enlevé Mario et compagnie pour mettre les personnages de la fameuse exposition. Comme nous, on n'avait pas du tout eu vent de cette histoire d'exposition, ils ont remis les personnages de Mario, etc. dans le jeu, et c'est comme ça que Doki Doki Panic japonais est devenu Super Mario Bros. 2 chez nous, et est ressorti ensuite au Japon sous le nom de Super Mario Bros. USA. Je sais, c'est compliqué. Donc on l'a vu, Miyamoto commence à devenir producteur, seulement Miyamoto il a jamais respecté ce rôle à la lettre, et des fois, bon, il va juste superviser, des fois, il va vouloir s'impliquer dans le développement, donc on a dû prendre le cas par cas pour savoir exactement ce qu'il avait fait. Et c'est ainsi que vinrent le jour Zelda 2 et Super Mario Bros. 3 en 87 et en 88, et bah là, du coup, il est producteur, et pour ses premières expériences dans ce rôle, il laisse pas mal de liberté à ses équipes. Je pense par exemple à Zelda 2, où le jeu est vraiment un épisode à part dans la série. Il a par exemple un système de points d'expérience et c'est justement ce que Miyamoto avait voulu fuir avec le premier Zelda, donc ça prouve que quand même il laisse de l'amplitude à ses équipes. Pour ce qui est de Super Mario Bros 3, il est quand même dirigé par Takeshi Tezuka, donc son assistant entre guillemets qu'on a déjà bien évoqué, et Miyamoto considérera que c'est la véritable suite au premier Super Mario Bros. En 90 sort la Super Famicom qu'on connaît chez nous sous le nom de Super Nintendo. Miyamoto, maintenant, il a vraiment un rôle phare dans l'entreprise et il va d'ailleurs bosser un petit peu sur la conception de la Super Famicom, entre autres de sa manette. Selon lui, c'est lui qui a imposé les boutons L et R, donc les deux boutons du haut sur la manette qui sont devenus des standards par la suite. Et c'est aussi lui qui a eu l'idée des boutons colorés. Le porte-étendard de la console à sa sortie, c'est Super Mario World qui est sorti en 1990. Il est encore réalisé par Takeshi Tezuka. Là, Miyamoto s'est un petit peu impliqué parce que, par exemple, Yoshi, c'est son idée. C'est lui qui avait déjà l'idée de Yoshi à l'époque de Mario Bros 3, mais ça n'avait pas été faisable. En dehors de ça, Miyamoto racontera dans une interview que sur le développement de Super Mario World, il a observé avec une grande attention ce que les équipes faisaient en donnant des idées de temps en temps. C'est un truc qu'il va faire sur pas mal de jeux. Je pense par exemple à F-Zero. Il a été producteur encore une fois sur le jeu, c'est pas lui qui avait le concept de base, etc. Mais il a donné quelques idées à l'équipe pour rendre le jeu plus fun ou plus accessible. Dans un autre genre, par exemple sur Super Mario Kart, là il le dira lui-même, il a quasiment rien fait. Il a juste supervisé, on lui montrait le jeu, il donnait son accord ou pas. En 1991 sortira A Link to the Past. Comme pour Super Mario Bros 3, Miyamoto considéra que ce troisième épisode de la série c'est la véritable suite du premier épisode. Ils ont poussé les principes du premier Zelda beaucoup plus loin, hein, donc ils ont repris la base, et c'est toujours le même délire avec un perso qui obtient des armes, etc. au fil des donjons. Ils ont aussi implémenté un truc qu'ils voulaient mettre dans le premier Zelda, c'était le monde parallèle, et du coup il apparaît dans A Link to the Past. Il y en a un autre qui est important aussi, c'est Star Fox, parce que sur ce titre, Miyamoto s'est occupé du game design. Le truc marrant avec Star Fox, c'est que c'est une des rares fois où Nintendo a cherché à en mettre plein la vue en basant vraiment le truc sur les graphismes avec un jeu du coup en 3D, ce qui était assez fou pour une Super Nintendo. Si ce jeu est en 3D, c'est grâce à une équipe anglaise qui s'appelle Argonaut, qui a été connue plus tard pour avoir fait Croc sur PlayStation. La petite équipe d'Argonaut, elle a évoqué dans des interviews que Miyamoto, il n'était pas toujours super facile à appréhender, entre autres parce qu'il avait cette fameuse manie de tout foutre en l'air dans le développement à des moments clés, quand parfois on n'était pas loin de la fin du développement, quoi. En 1996, avec la Nintendo 64, du coup, va sortir la masterpiece de Miyamoto, on peut le dire, Super Mario 64. Sur ce jeu, Miyamoto est pour la première fois depuis longtemps réalisateur, il est réalisateur et producteur pour être exact. Si un jeu sur lequel il n'y a aucun doute que Miyamoto ait participé au développement, c'est bien Super Mario 64, c'est son bébé. La particularité du pad Nintendo 64, si ce n'est ses trois branches cheloues, bah c'est le stick analogique qui permettait une liberté de mouvement totale, et c'est ce qui définit le mieux Super Mario 64. Tu lances le jeu, directement, tu commences, tu fais des sauts en longueur, tu fais des saltos, tu sautes, tu montes aux arbres, etc. Le jeu, il est fun. Et cette synergie entre le pad et le jeu, c'est pas un coup du destin, puisque Miyamoto, du fait de son statut de game designer expert dans la boîte et aussi de son statut de design industriel, il a eu un pouvoir de décision sur la manette Nintendo 64. D'ailleurs, son nom apparaît sur le brevet de la manette. Pour rester dans l'âge d'or de Miyamoto, en 1998, va sortir
Zelda Ocarina of Time, qui est pour beaucoup le meilleur Zelda. Sur cet épisode, il va être co-directeur et producteur. Ocarina of Time, c'est le premier jeu que la fille de Miyamoto, donc son deuxième enfant, finira. Et suite à ce jeu, il a pu parler avec sa fille de sa passion et du coup lui demander ce qu'elle avait aimé, etc. Et c'est un des plus gros souvenirs qu'il garde de Ocarina of Time aujourd'hui. Sur GameCube, Miyamoto va reprendre son rythme pré-Nintendo 64 puisqu'il va être producteur sur pas mal de jeux. Il a été réalisateur sur 0 jeu de l'époque GameCube. Mais il y a malgré tout un jeu qui va sortir du lot dans les jeux qu'il a produits. C'est Pikmin. C'est sa licence de cœur aujourd'hui, Pikmin. Et du coup, les premiers jeux de la série, il a beaucoup contribué au développement du jeu en donnant pas mal d'idées. Qui dit nouvelle console Nintendo dit forcément nouveau Mario et nouveau Zelda. Et ces deux titres représentent un petit peu la nouvelle vague de chez Nintendo, puisque Mario Sunshine est réalisé par Koizumi, qui réalise d'ailleurs Super Mario Odyssey. Et de son côté, The Wind Waker a été réalisé par Eiji Aonuma, qui avait réalisé Majora's Mask et qui est producteur sur la série depuis Phantom Hourglass. Comme ces deux séries sont les séries de cœur de Takashi Tezuka et de Shigeru Miyamoto, ils ont veillé au grain sur les deux projets. En 2006 va sortir le fameux The Legend of Zelda Twilight Princess, qui est sorti sur GameCube, Wii et Wii U maintenant. Là encore, comme d'habitude, il a veillé sur son bébé de très près, même s'il ne réalisait pas le jeu. Et selon l'équipe de développement, on lui doit le personnage de Midona, donc le petit perso qui est juste ici. En fait, Miyamoto a dit que c'était un petit peu chiant de voir un loup se balader comme ça en 3D de derrière, que c'était pas super, super attrayant. Petite dédicace à Okami en passant. Du coup, il a proposé à l'équipe de développement de faire un personnage sur le dos de Link pour que ce soit plus attrayant à regarder pour le joueur. Et par la suite, l'équipe de développement a décidé d'introduire le personnage de Midona dans l'histoire et elle occupe même une place centrale dans le développement du jeu. En dehors de ça, l'équipe de développement dira de Miyamoto qu'il a été très bienveillant sur le développement de Twilight Princess et qu'en fait, son rôle, c'était d'être entre guillemets le joueur 1, le joueur 0 même. C'est celui qui voyait le jeu en premier, qui jouait en premier et qui était capable de voir des trucs que les mecs qui avaient le nez dans le code en permanence n'étaient pas capables de voir. Et enfin, l'année dernière, il a été co-réalisateur sur Star Fox Zero, sorti sur Wii U. Donc là, on a fait une grosse ellipse, hein. C'est sûrement ce que vous êtes en train de vous dire. En fait, Miyamoto a évoqué dans un Iwata Ask qu'à partir de Super Mario Galaxy 2, voire même Super Mario Galaxy 1, si on se réfère à une autre interview, il a vraiment commencé à prendre pas mal de distance avec le développement en général et qu'il a vraiment... Il s'est vraiment contenté de faire le superviseur. Star Fox Zero, c'est le premier jeu depuis longtemps donc où il va occuper une place capitale dans le développement en étant co-réalisateur. Vous l'aurez compris, Miyamoto, il a une petite obsession avec les manettes. Il veut toujours les exploiter à fond. Et puis la manette de la Wii U, elle est là justement, elle est quand même assez caractéristique. Donc il a voulu pousser à fond le délire du gamepad avec le jeu sur deux écrans, etc. Et ça a perdu pas mal de monde. Faut pas non plus dramatiser. Star Fox, c'est loin d'être un mauvais jeu, il est peut-être décevant. On attendait peut-être beaucoup plus, surtout pour le retour d'une série aussi populaire, mais c'est pas un mauvais jeu pour autant. Pour conclure sur ce cher Shigeru Miyamoto, parce que oui, après Star Fox, il a pas fait grand-chose de plus en termes de jeux vidéo, même sur Super Mario Odyssey, on a appris qu'il avait laissé beaucoup beaucoup de liberté à Koizumi et qu'il avait juste supervisé d'assez loin, comme d'habitude. Je voulais évoquer la Nintendo Différence, qui est un label marketing qui est apparu au moment de la commercialisation de la Game Boy Advance et de la GameCube. Et en gros, ça avait pour but de revendiquer le contre-pied que prenait Nintendo par rapport à Sony, par rapport à ce qui était à la mode, entre guillemets. Et Miyamoto, il a représenté ce fameux label, cette philosophie de l'entreprise, et d'ailleurs, plus généralement, il a représenté l'entreprise d'un point de vue communication pendant pas mal d'années. En 97 déjà, pendant la période 64, il évoquait que lui, il fuyait les modes, qu'il s'en foutait complètement de ce qui était tendance, que les jeux de ses concurrents, il y jouait même pas, il s'en foutait. Et ce discours, au final, il représente bien la société Nintendo dans son ensemble, dans le décalage qu'elle a avec le marché actuel. Pour le meilleur, par exemple, les DLC, c'est encore très 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 peu répandu chez Nintendo, pareil pour les microtransactions. Ou pour le pire, dans le cas où, par exemple, le online de Nintendo, en 2017, ça commence à peine à être ça, alors que chez les autres, c'est instauré depuis une dizaine d'années. Et c'est ça le truc. C'est que même si Miyamoto, il est loin, très loin, d'avoir l'omnipotence qu'on lui incombe un peu partout,
Ce mec, c'est une personnification de Nintendo. Il est Nintendo aux yeux des gens. Et nous, au gré des recherches, justement, on est tombé sur tout et son inverse. Des fois, il y avait des sources assez informées qui disaient que Miyamoto avait fait un truc. D'autres qui disaient que pas du tout, que c'était un autre mec. Miyamoto, dans les interviews, il pouvait parler en jeu, il pouvait parler en nous, il y avait la traduction qui venait gêner tout ça. Et au final, on a très vite fait de tomber dans ces pièges de communication. Cette ambiguïté, elle est bénéfique à Nintendo au final, parce que bien que ça ait un petit peu évolué, parce que d'autres noms ont été mis en lumière, je pense à Aonuma, à Feu Monsieur Iwata ou même à Sakurai, la mythologie Miyamoto, elle reste assez figée. Même lui, il sait plus s'il est manager ou s'il est encore créateur aujourd'hui. Je pense qu'il faut plutôt le voir comme quelqu'un qui a été contraint, justement, d'être producteur, qui a été contraint de superviser et qui ne vit pas forcément super bien au quotidien. Et ça expliquerait pourquoi il a ce petit côté contrôle freak, entre guillemets, et il veut toujours avoir un minimum la main sur ce qu'il produit. C'est indéniable que Miyamoto, c'est un pionnier dans l'histoire du jeu vidéo au sens large. C'est un visionnaire en quelque sorte. Son travail, il a ceci d'assez exceptionnel qu'il arrive à plaire à tout le monde. Il arrive à plaire aux gens qui commencent le jeu vidéo et il plaît en même temps aux plus pointilleux. Et c'est un truc que très très peu de personnes arrivent à faire. C'est tout pour ce 10e épisode de la BioBiothèque. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser pour l'éventuel changement de luminosité que vous avez dû voir dans la vidéo. L'automne est arrivé et avec l'automne arrive ce fameux temps de merde qui change sans arrêt. Pour faire cet épisode de la BioBiothèque, je l'ai dit, on a un peu transpiré sur les recherches. Donc je tenais particulièrement à remercier Pazou qui a travaillé très dur pour me fournir une documentation super chargée pour qu'on puisse être le plus exact possible. Et je tenais aussi à remercier les gens qui ont participé à ces différents ouvrages. Alors pour commencer, l'ouvrage de référence pour l'écriture de cette émission, ça a été Sur les traces de Miyamoto qui a été écrit par William Oduro qui est aujourd'hui journaliste au Monde. Ça retrace la vie de Miyamoto, donc de sa naissance en 52 jusqu'en 1986. C'est extrêmement bien documenté, c'est sourcé dans tous les sens. J'ai adoré lire ce livre et je vous le conseille grandement. Et dans un autre registre, je me suis servi de l'année jeu vidéo 92 et l'année jeu vidéo 98 de Sœur d'édition. Bon, comme le titre des ouvrages ne l'évoque que trop bien, en fait, ça retrace les jeux phares de ces deux années. Je vous les conseille aussi, si vous voulez avoir quelques trivia sur des jeux qui vous ont fait vibrer et qui sont sortis ces années-là. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de la BioBiothèque. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. À l'heure où je vous parle, on est 365. Ça veut dire que si on faisait un rond et qu'on mettait chaque abonné sur un degré, on pourrait faire un cercle complet. Et il y en aurait même encore 5 qui pourraient aller au centre. On se dit, rendez-vous le mois prochain pour un 11e épisode de la BioBiothèque. Force à vous. Salut !